Salut tous, c'est Nuni, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, merde, c'est vrai que je t'ai pu dire une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une course en Rocket Voltique. Alors, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de course en Rocket Voltique. Genre en mode un peu solitaire, etc. Et je n'ai pas du tout Anto cette course. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, je n'ai pas Anto, je ne sais pas comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette course, les gars, c'est du niveau hard. Voilà, c'est du niveau hard et ça se voit maintenant même. C'est du niveau hard. Voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et je suis également solitaire parce que voilà, je voulais un petit peu faire une petite vidéo solo et vous parler de pas mal de petites choses. C'est vrai que il y en a beaucoup dans les lives, etc. Parce que j'ai fait un live anniversaire pour ceux qui étaient présents, qui m'ont demandé, ouais, Unwin, quand est-ce que tu vas refaire du RP. Bon, voilà, je vais parler déjà dans un premier temps de ça, parce que bah, les personnes qui veulent qu'on fasse du RP, bon, que ce soit tout seul ou que ce soit avec la team, mais je pense que vous avez plus envie de voir bah, un RP avec la team, parce que c'est vrai qu'à l'époque on faisait du RP avec... Alors par contre je fais un peu n'importe quoi là, je me rattrape. En fait c'est pas que je fais n'importe quoi, c'est que je vais trop me précipiter les gars, alors que là je sais que je vais recommencer, bah, je vais faire direct. Du coup ouais, je disais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent un RP avec la team et tout, et pour le coup eh bien ça va arriver, mais pas maintenant. Voilà, bon, on l'avait déjà dit. Je vois rien, ce qui se passe. Ok, c'est bon. Ce sera en même temps, les gars, je suis en train de vous faire le truc. En même temps, j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal. Non, du coup, je disais, le RP avec la team, ça sera pas maintenant. Du coup, c'est pour ça que pour le moment, enfin, pas maintenant, genre, ça arrive dans les prochains mois qui arrivent. C'est pour ça que là, moi, de mon côté, je suis actuellement en train de chercher un petit serveur. Mais pas un serveur whitelist, plus un serveur free access où bah, du coup, vous pouvez venir jouer avec moi, etc. Et du coup, dans les commentaires, il y en a certains qui ont bah, des serveurs dans lesquels je peux jouer, enfin, des conseils plutôt de serveurs. Bon, on m'en a conseillé quelques-uns, j'ai demandé avec le streamer, etc. Des serveurs un peu FA, etc. que vous connaissez. Bon, FA, donc, du coup, c'est Free Access. Et pour le coup, voilà. Du coup, moi, je connais pas du tout les gars le parcours, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je découvre en même temps que vous. J'ai pas Anto. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Ok. J'essaie aussi de me concentrer sur la course en parler en même temps, les gars, c'est un peu compliqué. Ok. Ça va. Pour l'instant, je gère. Ok. Je suis désolé. Si je m'arrête de parler, les gars, c'est parce que en même temps, on est dans un parcours hard. Et j'ai pas envie non plus de faire un gameplay dégueulasse. Voilà. On est pas mal. On est pas mal, les gars, non? Attendez, on gère. On gère bien là. Ok, c'est bien. Et du coup, moi je chante ça. Par contre, en termes de personnage, je ne sais pas pour le moment quoi faire. Genre, c'est vrai que j'avais cette idée de faire de l'illégal, mais je me suis dit, je vais plutôt attendre d'être sur le serveur avec la salle et d'être pour faire de l'illégal. Et pour le coup, ouais, pour le coup, je pouvais y aller d'un coup, j'ai hésité, mais j'ai pas vu le truc rose au combat. Faire de l'illégal, est-ce que c'est pas mieux que j'attende la salle Eden pour en faire? Alors, parce que je sais pas exactement ce que Eden va faire, mais je sais que la salle, bah, je pense qu'il va faire de l'illégal. D'accord, on peut atterrir sur le bâtiment, c'est pour ça qu'en fait, je pensais que le truc rose, il y avait un effet d'optique, enfin, c'était juste une rampe rose, mais en fait, on pouvait, genre comme là, tu vois, c'est une rampe. Sur le rampe, tu vois, alors que non, tu pouvais, voilà, hop, on se concentre un minimum, les gars. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un truc que j'aimerais bien faire, c'est faire du légal, voilà, c'est faire du légal et peut-être faire policier. Donc, je me tâte, vraiment, je me tâte. C'est à vous de me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme personnage. C'est peut-être rattrapable, non, c'est pas rattrapable. Ouais, c'est pas rattrapable parce que là, je suis parti un peu en freestyle.
Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, les gars, dans les commentaires. Genre, j'avais fait une vidéo, il me semble, sur GTA 6, et j'avais fait un gameplay en Rocket League. Il y a des gens qui disaient c'est le gameplay de la salle, alors que non, les gars, vraiment, c'est mon gameplay à moi, quoi, tu vois. Ok. Doucement. Doucement. Waouh, les gars, je suis en train d'être en même temps, c'est what is this shit? Waouh! Je fais. En même temps, je fais un parcours en roquette, les gars. Voilà, bah, je suis tombé. What is this shit? Faut pas que je fasse n'importe quoi. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, bah, en gros, c'est pas moi sur Gameplay, alors que c'est moi, tu vois. Genre, c'est moi qui joue. Là par contre je fais là je sais que je fais nimp, c'est parce qu'en fait j'ai atchoumé et du coup bah ça me stresse. Enfin, j'ai atchoumé, j'ai compris que j'ai été remué. Là du coup je vais passer parce que c'est bon. Dans les commentaires je me dis, oh, lui t'as nul la ligne, alors que ça va, en vrai j'ai un petit level en Rocket League, ouais, de vrai. Alors qu'avant, bah, je peux vous dire que j'étais vraiment catastrophique en Rocket League, vraiment. Pour le coup, kata de chez kata. Là, j'ai comme une maîtrise de la Rocket Voltique qui commence à se faire. Vous voyez des fois que j'ai un peu du mal, des fois. Je pense que le fait, c'est peut-être un peu de trop sous-estimer ou surestimer, je sais pas, le parcours. Et du coup, bah, j'y vais trop loin, genre comme là, tu vois, par exemple. Vous voyez? Là, je sais que j'ai fait d'un tour. Parce qu'en fait, je me dis que c'est trop easy et j'ai tendance à, bah, pour le coup, aller plus loin, genre ramener la boutique, enfin soulever un peu la boutique un peu plus loin. Alors que non, tu vois, c'est du coup des coups. Bon, c'est pas grave, on passe du deuxième coup, mais on aurait pu éviter ce genre d'erreur un peu de débutant, j'ai envie de dire. Là on passe tranquille, ça va. En vrai le parcours ça va, franchement je kiffe à mort. Si vous voulez le nom, il est en haut. Et pareil, il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois les où est-ce que je trouve mes cours, etc. Ouh là, c'est juste un truc. Oh, c'est débarrassé. Ok. Ouais, du coup il y en a beaucoup qui demandent lui où est-ce que tu trouves tes courses en Rocket Voltique, etc. En fait les gars, quand vous êtes dans ce CCOM, vous avez juste à taper Voltique Hard, vous mettez n'importe quand et vous allez avoir plein de parcours en Rocket Voltique. Après, si vous voulez pas mettre n'importe quand ou si vous voulez mettre, bah, des courses un peu récentes, bah vous mettez tout simplement là il y a un mois ou le mois dernier, enfin vous avez compris quoi. Mais moi généralement je mets tout le temps récent parce que j'ai, enfin, vu que je fais des lives un peu hard, j'ai tendance à avoir fait beaucoup de courses. Pour le coup, celle-là, c'est une nouvelle qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et en vrai, j'aime beaucoup. Et vous voyez ça, les gars, à l'époque, bah, genre, j'aurais galéré quoi. J'aurais vraiment galéré à la finir. Et là, ça va, on maîtrise. Ok. Bah, j'ai trop. Ok, c'est bon. Tranquille. Tranquille, comme on dit. Tranquille. Donc, du coup, peut-être que je ferai du RP en FA. Et la semaine prochaine, donc je vais voir cette semaine, là, cette fin de semaine, voir 2-3 serveurs qu'on m'a conseillé. J'ai demandé aussi aux abonnés du Discord, ceux qui jouent avec nous sur PC. Bah, forcément, les joueurs PC doivent connaître un peu des serveurs. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je vous ai dit, les gars, je vais beaucoup trop loin en fait. Je pense que cette courte est. Enfin, elle n'est pas genre level hard. Donc, j'ai tendance à vouloir aller loin. Alors qu'en vrai, c'est très proche. Voilà, encore là. Bon, là, ça va. Je peux rattraper. Voilà, c'est bon, je peux rattraper. Voilà. J'ai un peu de mal, mais ce qui est bien, c'est que quand on maîtrise la Rocket Voltique, c'est que parfois, on fait des erreurs, comme là. Mais derrière, bon, on peut rattraper. Là, par exemple, vu que j'ai voulu enchaîner les deux, un coup j'aurais pu le faire, mais vu que j'ai mal atterri, et bah malheureusement,
Est-ce que je vais aller trop loin ou pas? Voilà. Je vous ai dit, les gars, des fois je vais beaucoup trop loin. Pourtant, j'étais bien, les gars. Ok. Je pense que je peux même y aller d'un coup en vrai. Il y a moyen que je puisse y aller d'un coup. Elle est quand même notée à 20%, hein, les gars. Ouais, je pense que là je suis bien. Je suis même bien atterri, voilà. Là j'ai frôlé le pont, c'était magnifique, les gars. Alors pour l'instant. Oh, j'ai failli ne pas booster. Je me suis dit que le pont était un peu. Enfin, était collé en bas, alors voilà, si j'avais atterri. Si j'avais atterri. Bah, malheureusement. On n'a pas eu le pont parce que je suis en l'air. Enfin, il y a une plateforme au-dessus. Là, en vrai, ça va. Pour le moment, les gars, on maîtrise plutôt bien la course, on gère la course. Et honnêtement, je la kiffe hein, cette course, frère. Franchement, les gars, elle est abusée bien. Ok, doucement, les gars. Ok. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir maîtriser sa roquette nautique. Si on veut pas faire de dinguerie. Là, par contre, ça m'a l'air d'être hard. Là, c'est un peu compliqué, mais on maîtrise cette roquette nautique, les gars. C'est du pipi maintenant. Voilà, tranquillement, on atterrit pas un peu mal dans le. Oh, ça va, on peut rattraper. Bon. On a mal atterri un petit peu, mais ça va. Je crois que j'aurais pu monter un peu plus haut. Waouh, ok. Ok, doucement. Bon, en fait, ce que je kiffe, c'est qu'on se balade en gros dans la ville. Bon, là, par contre, je pense que je peux pas l'avoir. Quoi. J'ai un peu fait d'accord. Alors que ça, c'est vraiment pour le coup, depuis l'heure, on fait des points hard. Alors que là, c'est vraiment easy de chez easy. Mais je suis trop détendu en fait. Je suis trop détendu. Du coup, je suis détendu. Là, je me dis, bon, allez, c'est ça un tour. Genre. Vas-y, juste un petit peu. Ah bah il y a le point final. Alors le point final, est-ce qu'il va être hard? Oh là 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 là. Ça m'a l'air compliqué ce point final. Premier coup ou pas? Si je le fais du premier coup, les gars. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Ok. Je me disais bien qu'il allait avoir un truc hard. Que la course à 20%. Oula. Bon là pour le coup à mon avis ça va être compliqué là. Ouais, il a bloqué au-dessus, j'ai vu. Je pense que c'est pour éviter la triche. Là je pense que je suis pas trop mal. Ah, un petit peu plus haut les gars. Un petit peu plus, j'étais bien. Là pour le coup, va falloir se concentrer. Ça se trouve, là on va rester galérer comme là. Oula. Alors si ça me fait ça, ça va être compliqué. Trop bien. Juste le point, enfin le trou il est. Vraiment. Le coup il est vraiment, vraiment. Vraiment fin. Il fait la tête de la voiture. Non, mais pourquoi ça me fait ça quand j'atterris? Faut que je fasse 1. Allez, non! Un tout petit peu plus, les gars. Bon, du coup, les gars, j'ai fait une petite coupure, je suis désolé. J'avais une petite urgence. On est de retour pour vous jouer des mauvais coups. Là, je peux vous dire que je vais passer d'un coup, juste après l'urgence. Et là. Allez. On va passer ce trou.
On va passer ce trou. On va passer ce trou. Let's go. And the windows. Bien sûr.